UNESCO is once again pleased to put and utilize its convening power to gather an array of international experts, national representatives, and members of civil society together with young people from across the world. The world is globalizing every day more quickly, and societies have never been so connected. But this doesn't mean that there is actually more dialogue. Le dialogue euro-arabe, il se fait autour d'une mer, la mer Méditerranée. C'est à l'orient de cette mer que sont nées les trois grandes religions monothéistes. Les traces des monuments sacrés de ces trois religions parsèment l'ensemble des pays. La connaissance de ces religions, leur appréciation par tous, représente à nos yeux un des éléments importants dans la réduction de certaines haines. Nous sommes en train d'assister à une guerre planétaire entre des cultures qui pensent chacune détenir une vérité absolue. Et quand vous détenez une vérité absolue, il n'y a pas de place pour les vérités des autres. Ici, la destruction des patrimoines avait un propos stratégique: fissurer la société et faciliter l'arrivée d'un ordre nouveau. Et la question gravissime qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que des enfants d'un lieu détruisent leur propre lieu. J'estime qu'il faudrait peut-être qu'on parle plus de l'être humain, quand même un peu, que des sites archéologiques. Je pense que la préservation de la culture et de la conscience humaine, surtout en ces temps difficiles où on parle de plus en plus de radicalisation, d'extrémisme, je pense qu'il faut plus se concentrer sur la conscience des humains et le dialogue entre les citoyens. Vous êtes dans un contexte de guerre. Qu'est-ce qui prévaut? Que faut-il choisir? Protéger les êtres humains en priorité ou protéger les monuments? Si vous la posez à quelqu'un qui doit protéger ses visiteurs dans un musée, je suis désolé, je protégerai les êtres humains avant tout. Il y a toujours soit une urgence humaine, soit une urgence du site. Jamais les deux. Jamais, jamais les deux. Donc vous êtes obligé à chaque fois de réagir à l'urgence. For example, people from Syria, northern Iraq, selling antiquities. And at first it made me like easily judge them for doing it. But then I thought, how can I judge them for doing what they can to survive. Il faut que vous sachiez que par temps de guerre, les pillages ne profitent qu'aux bandes armées. Les pauvres n'en ont pas un centime. Ça va à des bandes mafieuses, toujours. Ce n'est pas une réalité pour ces enfants, et ces combattants, ces jeunes combattants dans les zones de conflit. Le Magdalena l'a dit, la priorité par rapport à leur vie de tous les jours n'est pas dans la protection du patrimoine culturel. Il n'est pas réaliste d'espérer comprendre une culture étrangère, d'entamer avec elle un dialogue sérieux, constructif, si l'on n'a pas en soi un fond culturel. C'est cette culture qui permettra d'apprécier celle de l'autre et de comprendre l'autre. What if these kind of groups like Daesh, Al-Qaeda, what if these groups have managed to create a new culture? Le premier travail doit être fait pour dire à chacun qu'il est le dépositaire de tout ce qui s'est passé chez lui. People from Aleppo who ran from Aleppo, and I have met few of them, and when they say Aleppo, they cry, not because only it is their home or they left their friends, because it is something far more important to them, it is their being. Le dialogue est le lien vital à la compréhension et au respect. Il est la base de la coopération et de l'action collective. Nous devons partager des solutions, des expériences, mais aussi des rêves. Il faut essayer de rêver à un monde meilleur. One part of my family comes from Sicily, and they were for centuries craftsmen. Then they became also builders, an important family, a company who
built the great Teatro Massimo, and they did it restoring ancient Greek temples from Selinunte to Agrigento, restoring the fantastic Arabic architecture, Arabo-Normanno, around Palermo, Catholic cathedral, civil monuments. Their craftsmanship was useful to bridge together different cultures through an humble activity. Je pense que le monde a changé et que les conditions du dialogue doivent changer et qu'on doit rentrer dans une horizontalité de dialogue. Et je trouve que c'est extraordinaire et très bien que les personnalités ici soient présentes parce que je pense que c'est par elles que nous allons avancer. إذا فعلا نحن جايين نعالج موضوع الإرهاب كمرحلة أولى إلى حين إنه نتواصل مع الآخر تنقدر نبني المجتمع السليم والوطن السليم بدنا نبلش نعالج مشكلة الإرهاب. أولى المشاكل هي غياب الدولة، غياب المساعدات، غياب الطبابة، غياب فهم الآخر، تأمين له حياة كريمة، حياة شريفة. لا نتحدث أبداً عن البنية الفكرية للإرهاب والمشروع الفكري للإرهاب، وهو التطرف الديني المتأتي من السلفية الوهابية التي لا تملك معظم الدول العربية آليات لمقاومتها أو حتى لمجرد ذكرها ومعارضتها علنياً بفضل السيطرة الاقتصادية للبلدان التي تدعمها على بقية بلدان العالم العربي. أولاً مثل ما قلنا البطالة هو كان المدماك الأول نحو نشوء هذه الفكرة، وثانيا تقوقع المقابل دفع الشباب إلى مزيد من الإرهاب، والثورة العربية اللي كانت في بدايتها ثورة نحو التغيير ونحو الديمقراطية ونحو خلق بيئة أفضل ومجتمع أفضل ومزيد من الديمقراطية، قدروا حولوها ثورة بين أنظمة وإرهاب. إنما في بداية الثورات العربية اللي صارت في مختلف بلدان العربية كانت نحو التغيير، نحو مزيد من الديمقراطية. هلا في بلدان استفادت من هذا الموضوع وحورت وجه الثورة بالتأكيد، بس بداية الثورة كان بداية بوزيتيف، كانت شغلة إيجابية من أجل مزيد من الديمقراطية نحو العالم. Some of the reasons for terrorism that were given on this panel were unemployment and Ba'athist governments. I think we were tiptoeing around a very important issue there, is that terrorism is directly related to Wahhabism and it has a home just like Wahhabism does. And I think if we were ever to get to any results in any discussion, it is important that we say things as they are. Definitely, this arrival of refugees and migrants into cities, either in the Arab world or in Europe, has direct effect on cities' governance. It highlights, therefore, the importance of cities as key actors for promoting inclusion of every inhabitant of the city and their capacity to make positive changes, and through connecting local and regional and international actions, and in the case we're living in the Arab world or in Europe, it's really for city authorities in both regions to come together and look for solutions. Sauf que dans cette affaire, on a complètement oublié les municipalités libanaises. Elles ont double peine, elles ne touchent plus l'argent du gouvernement libanais et elles doivent supporter 1,5 million de réfugiés sans aucun moyen, alors que l'argent va aux réfugiés, ce qui est très bien, mais ne va pas aux collectivités locales. Donc on est dans une situation très compliquée. Et je pense qu'il ne faut pas opposer ONG, collectivités locales, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des villes libanaises qui ont doublé de population avec les réfugiés. Et les maires libanais ne savent absolument pas comment ils vont faire pour pouvoir gérer des situations aussi graves. Je pense qu'il faut une réponse globale qui mette aux premières loges les gens qui gèrent les territoires sur lesquels sont les réfugiés, et c'est les collectivités locales. Permettez-moi de remarquer que les dimensions politiques et économiques du dialogue se trouvent de plus en plus négligées au profit de l'unique dimension culturelle. Or, il me paraît que ces trois dimensions sont dialectiquement et organiquement liées. Elles se déterminent mutuellement. Tant que les problèmes des inégalités, du chômage, des droits de l'homme,
de l'émigration demeure à résoudre en tant que le Moyen-Orient demeure une scène de conflits internationaux où se jouent des guerres par procuration, toutes nos initiatives n'aboutiront pas aux résultats souhaités. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais un simple regard sur la réalité nous mène à constater que les conditions du dialogue était plus favorable il y a 10 ans. طبعا تؤكد الاحداث الاخيره اللي حصلت هنا في باريس وفي بلجيكا وفي عدد من الدول الاخرى ايضا انه نحن بحاجه ماسه للحوار الايجابي البناء ويجب من اي وقت سابق ان نفكر في الشباب نفكر في البرامج اللي ممكن تكون موجهه لهم لذلك احنا من تقريباً 12 سنة قمنا بعمل هذا المشروع في سلطنة عمان. On ne peut plus parler du dialogue euro-arabe si on n'analyse pas, si on ne travaille pas ensemble les obstacles au dialogue. Et pourquoi ce que nous avons présenté de façon la plus positive peut devenir aujourd'hui comme une source de refus chez beaucoup de jeunes. Je travaille maintenant depuis un an sur la question de la radicalisation. Avec des jeunes dont certains sont déjà radicalisés. Ils nous renvoient une image de tout ce que nous disons ici à l'UNESCO comme c'est une illusion de mots savants pour une élite internationale. Ou bien ce sont des mots abstraits au bénéfice d'une vision partielle du monde et qui serait, par exemple, une vision occidentale. Where you should be the center and not look up to us, which has been voiced yesterday, and be more included. So I'll do the standing at eye level, because I think the first thing, if we talk about education and countering extremism, we should work on eye level with people and not in a frontal talk, you know. Beaucoup de travaux montrent que les diplômés participent autant à ces phénomènes de radicalisation que les bandes d'amis de quartiers défavorisés. Les enseignants se trouvaient en difficulté. Difficulté de comprendre le concept lui-même de radicalisation. Difficulté de tenir avec les élèves des conversations difficiles sur un sujet tabou dans la classe. La radicalisation, c'est la mise en relation tragique, mortifère, d'une offre et d'une demande. Mais c'est une offre qui est probablement extrêmement archaïque dans l'énonciation de l'interprétation de l'islam, mais qui est complètement moderne, occidentale, hollywoodienne, dans la mise en scène. But what I have is personal experience. I was raised in Saudi Arabia, and I spent my whole life de-educating myself of what I've been educated already in school in Saudi Arabia or in school in Egypt, or from the mosques I've been to, the sheikhs I've been listening to. And my own personal experience is one of my best friends. For years, we've been raised together. He turned into a jihadist himself. For my own personal experience, I've listened to a lot of sheikhs who are like encouraging us to be more extremist and encouraging us to be fighting for building the new caliphate and having our glory back as Arabs and fighting back the war in Islam. So most of the Arabs believe that there's a war in Islam. We have to restore pride, and that's where education comes in. We need not to do blind nationalism. We need this universal history in schools, where we need to point out how the Arab world, the Muslim Arab world, has influenced Europe and vice versa. Il faut que nous assumions la part orientale de notre histoire. Quand on enseigne les mathématiques, il faudrait un cours d'histoire des mathématiques. Il y a eu des témoignages de djihadistes là-dessus, sur le silence fait sur les mathématiciens arabes, les inventeurs de l'algèbre, de la géométrie, de l'astronomie, de la cartographie, etc. Il faut que nous assumions la part orientale de notre histoire, et je dirais symétriquement que nos partenaires d'Orient acceptent, assument, connaissent la part occidentale de leur histoire.
Pour avoir été enseignante moi-même en ZEP il y a quelques années, je pense qu'en fait il y a un problème aussi au niveau de l'identité très clairement de ces jeunes qu'on a en face de nous, et qu'accepter la partie orientale, c'est vrai, c'est une chose, mais ils n'ont même pas conscience forcément qu'ils font partie du monde oriental. Je veux dire que l'éducation n'est pas seulement dans la maison, bien sûr. Et je pense qu'il faut nous parler, même si un peu, de l'éducation dans la famille, avant la maison, après la maison, et peut-être aussi après la maison. وهذا بالنسبة للعالم العربي والعالم الغربي على حد السواء. مثلاً, to change education in the Middle East, this will take like 1,000 years just to convince them to teach evolution, or teach comparative religions, or teach the history of religion in the world. It's so boring. But now, gladfully, a person can go on Wikipedia and learn about all of that. So that if I only have one thing to say from this trip to feel that it was worthwhile, I would say if there's a one penny to be invested in the Arab world and in the Islamic countries, it will be enlarging the Arabic content online. Tous les jours, les jeunes s'éduquent sur Internet, s'éduquent eux-mêmes sur Internet. L'accès au savoir est maintenant un problème résolu. Internet fait que tout le savoir existe et est accessible à tout le monde. Que devrait faire en fait l'école, à mon avis ? Ce serait, au lieu de leur transmettre le savoir, ce serait de leur apprendre à transmettre eux le savoir à leur père. Les modes d'apprentissage du futur ne se feront pas dans l'institution scolaire stricto sensu, mais nous sommes dans une phase de transition et nous avons une responsabilité énorme de faire cet accompagnement, parce que l'accès ne suffit pas. Il y a encore de très très grandes difficultés à comprendre l'information, à trier l'information, à faire la distinction entre l'info et l'intox, si vous voulez. Et tout cela, c'est vrai pour tous les enfants de la planète. Parce que si nous sommes tous devenus des médias, potentiellement, nous n'avons pas le même capital médiatique de départ. Il y a de très très grandes inégalités, et c'est seulement dans des lieux comme l'école que l'on peut tous se retrouver avec les mêmes bagages, des apprentissages co-écrits, co-partagés entre les enseignants et les élèves. Maintenant, quand on parle d'accès à Internet et quand on parle de radicalisation, on est dans un dilemme. On a d'un côté des jeunes qui ont la liberté et l'accès à une information qui est infinie et dans laquelle ils doivent faire un tri. Et on est presque trop tard maintenant, on est presque en retard là-dessus. On n'a plus les moyens forcément. La preuve, c'est que les Tunisiens maintenant ont plus de 3000 djihadistes en Syrie. So in a way, we need a shift in paradigms almost from, you know, perhaps access to information, the way we looked at the world in the 20th century, towards access to conversation, access to critical thinking and access to debates more so than discussions. Now, you also mentioned the value of fact. I think in such a public sphere that works and that serves its communities and that is solution oriented, facts have a specific value and that needs to be preserved. So how do we work towards fostering the sanctity of rational argument and discourse? And this is a global problem. This isn't an Arab problem. It's become global, certainly in 2016. Nous, les recherches qu'on a fait, c'est les jeunes qui se radicalisent sont des jeunes qui sont furibards. C'est pas des jeunes qui sont pauvres. On n'arrive pas à les profiler d'ailleurs, mais c'est pas des jeunes qui sont pauvres. C'est pas des jeunes qui sont religieux. C'est des jeunes qui sont furieux, qui ont un sentiment d'injustice absolument irréconciliable avec ce que les adultes leur donnent en cadeau empoisonné. Et ceux qui font la rupture, ceux qui cassent avec la société, très vite, ils ne le font pas à cause des réseaux. Ils le font avant et ils le font à cause de nous, les adultes, dans la vie réelle. Par contre, sur les réseaux, ils vont trouver l'info. Et sur les réseaux, il y a des adultes qui les attendent, qui les accueillent, qui les font se sentir bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pauvreté, qu'elle ne peut pas être à l'origine de cette fureur des jeunes.
Et moi, ici, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'un des majeurs problèmes de l'injustice sociale, c'est la pauvreté. Et lorsqu'on trouve des deux bords de la Méditerranée des jeunes qui souffrent de la pauvreté et du chômage, alors ils ont quelque chose qui est partagé, une souffrance partagée. Donc je peux dire que s'il n'y a pas des valeurs qui unissent ces jeunes, il y a des souffrances qui les unissent. We thought that the internet is the magic wand that will just come and be like the solution for everything. Now we have a platform against the government. Now we can like raise topics about human rights, about the marginalized, about everything that's happening in our region. Because I think as youth in the Arab world, our biggest enemy is the official statement that always comes from the media and the regimes and so forth. But after a while, we discovered that actually the online sphere is used more for extremism and for the discourse that's actually coming from the same regime. We discovered that around 80% of the internet usage is going to porn, and the rest of Facebook, the most shared videos are like kittens and dogs. C'est par l'éducation aux médias et à l'information, à la fois dans les programmes, mais aussi hors l'école, hein, que l'on peut arriver à faire un peu cette transition dont vous parlez, sensibiliser à l'information et avoir une approche critique de ce qui se passe sur les médias. Critique dans les deux sens, repérer les informations négatives, la propagande, hein, positive dans l'autre sens, créer soi-même, publier soi-même, avoir une présence en ligne soi-même. Du coup, créer sa propre opinion. Un média, ça a un rôle historique. C'est pour ça que dans toutes les révolutions, les médias sont des enjeux extraordinaires et qu'on tue des journalistes. Hein, c'est que ça aide à créer une opinion et qu'une opinion, quand elle est créée, elle va voter. For those of you who think that you have not heard enough of the voices from the young personalities, and there are some who have told me so, the chance is now, the moment is now. Our subject was the media. It is a discursive space where people are forming opinions that are politically relevant, and so that space has a structure that is evolving, and looking at that structure and how we can positively influence it has been the core approach of this group. But of course we have the emergence of new technologies that are very, very important. And here what we need to bear in mind is that these are private businesses that play an outsized role in the public opinion formation process. There's a scholar from Britain called Timothy Garton Ash who called them POPs, Facebook or Twitter, because again, these media are not designed to foster exchange, because that is not their mandate. They don't have a democratic mandate. If we don't get Silicon Valley, Facebook, Twitter, Google, all of these POPs on board in this process, it's not going to be a complete process. That's why the role of UNESCO has to be that of an organization that has the convening power to bring together all of the other stakeholders, more so than UNESCO itself operating a program. Starting from the fact that we are here at UNESCO, invited most of us by our national commissions, we think that there's an obvious partnership starting from UNESCO, national commissions, and the youth personalities, the young personalities that are here, and they should be involved in the first stage in identifying, screening, identifying, and selecting existing resources. So there are a lot of resources developed by UNESCO, but also by our own organizations. Second stage, we should design in detail a learning program that we consider that should be mainly an experiential learning program. So we believe that outdoor retreats that connect us with nature are a key point in going depth on those universal values. And finally, we consider that we must give capacity to the main actors of the formal and non-formal educational environments by an educators training program. But still, here we think that it should be mostly an experiential program. We will really encourage UNESCO to create a Europe-Arab movement, of course taking also inspiration from this amazing group of people that are sitting here in the first row, a Euro-Arab movement of young people for the promotion of an innovative and creative dialogue. So this Europe-Arab movement
could be the protagonist of a twinning program of cultural exchanges between Europe-Arab countries. So a 2 years program of exchange of information first through social media, through the web, so through the use of technology, in order to storytell our heritage with a more comprehensible language for the young people. Second step will be the actual cultural exchange. So we do hope we will be able, through the support of our partners, to actually realize real visits in those countries. So during the visit, they will have the opportunity to interact, to see, of course, the heritage that they were actually reading of seeing of through the contents that were shared before. And they will have the opportunity together, so as one group, to create new contents, creative contents that will actually be shared later on social media again. I'm representing here the Youth Committee. I'm the president of the Youth Committee of the Italian National Commission for UNESCO, and I will be very glad to commit myself and all my 300 members to be one of the first country involved in this project. So it's really up to each of us to create the conditions for our project to become reality. Thanks a lot.